Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler de la manière dont le pouvoir politique peut utiliser et finalement profiter d'une épidémie à travers l'exemple des pestiférés de Jaffa. Bonaparte, général en chef de l'armée d'Orient, au moment où il touche une tumeur pestilentielle en visitant l'hôpital de Jaffa. C'est le nom donné à ce tableau actuellement conservé au musée du Louvre et qui a été exposé pour la première fois le 18 septembre 1804. Il rencontre un succès immédiat et une renommée qui a traversé les siècles, car il marque le début de l'orientalisme dans la peinture française, tout en se rattachant au début du romantisme. C'est aussi un bel exemple de propagande napoléonienne par l'art, et c'est sous cet angle que nous allons l'envisager. Son auteur est le peintre Antoine Jean Gros, né en 1771 et mort en 1835, auquel on doit de nombreuses représentations de Napoléon Bonaparte. Il fait donc partie des grands artisans de la légende napoléonienne, ici, en représentant un épisode de l'expédition d'Égypte. Rappelons que la campagne d'Égypte commence le 1er juillet 1798 avec le débarquement à Alexandrie de 36 000 hommes, accompagnés de savants, d'artistes et de personnel de santé. Après s'être emparé du Caire, Bonaparte se dirige vers l'est et se présente sous les murs de Jaffa le 3 mars 1799. La ville tombe 4 jours plus tard. À cette époque, la peste est réputée être une maladie orientale et l'Égypte un de ses foyers endémiques. C'est pourquoi, dès le départ, il était prévu d'installer des lazarets pour y mettre les soldats en quarantaine. En décembre 1799, l'épidémie commence à se diffuser au sein de l'armée française. Bonaparte interdit dès lors de prononcer le mot peste pour ne pas effrayer les hommes. La conviction est alors répandue que c'est la peur de la peste qui provoque sa mortalité. La mort épargne ceux qui la méprisent et poursuit ceux qui en ont peur, précise d'ailleurs l'article peste de l'encyclopédie. Autrement dit, il faut convaincre les soldats que la maladie est peu dangereuse pour en réduire la létalité. Or, comme le reconnaît Bonaparte dans ses mémoires, la frayeur était dans l'armée. Il fallait donc rassurer les soldats. C'est pourquoi le 11 mars 1799, le général vient visiter un lazaret dans lequel sont soignés des malades de la peste. L'action se déroule dans une des galeries de la cour du monastère arménien Saint-Nicolas de Jaffa, transformée en hôpital, avec un côté pour les blessés et un autre côté pour près de 300 pestiférés, dont les deux tiers d'ailleurs succombent dans les jours qui suivent leur arrivée. Les arcades ferment la scène principale, qui est éclairée par la gauche. On y voit Bonaparte, qui a retiré son gant, toucher le bubon de l'aisselle d'un soldat pestiféré au teint blafard. L'attitude sereine du général face au danger contraste avec la peur des personnes qui sont immédiatement derrière lui. Déjeunette, le médecin-chef de l'expédition, qui respire à travers un mouchoir imbibé de vinaigre, supposé le protéger des miasmes, un officier qui tente de lui retenir le bras, alors qu'au sol, un soldat cherche à l'écarter. Au premier plan, c'est l'univers de la souffrance, du désespoir, de l'agonie, de la mort advenue ou à venir. On y voit un personnage qui semble extérieur à l'action. Il figure la résignation et la passivité et rappelle un autre personnage dans un autre tableau célèbre, Le radeau de la Méduse de Géricault. Le moment saisi par la peinture est celui du toucher du bubon qui met en branle l'ensemble de la scène en concentrant les regards sur Bonaparte, y compris de la part de ceux qui, expirant, sont au seuil du trépas, comme si le général était une ultime ouverture sur la vie. Pour comprendre la signification du geste du toucher du bubon, il faut replacer le tableau dans le contexte de sa réalisation. Il faut d'abord rappeler que c'est une commande de Bonaparte à Antoine Jean Gros. Nous disposons également d'un témoignage précis sur cet épisode, celui du médecin-chef Déjeunette. Il précise que Bonaparte resta sur place 1 heure et demie, qu'il parla aux blessés et aux malades, et qu'à un moment, il se trouva, je cite, dans une chambre étroite et très encombrée. Il aida à soulever le cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par l'ouverture d'un bubon abcédé. Le médecin-chef témoigne des efforts entrepris pour que Bonaparte quitte les lieux le plus rapidement possible, ce qu'il refusa de faire, répondant à ceux qui lui reprochaient sa témérité: C'était mon devoir, je suis général en chef. Bonaparte, dans ses mémoires, dit avoir touché ceux qui paraissaient être les plus découragés, afin de leur prouver qu'il n'avait qu'une maladie ordinaire et non contagieuse. Ce tableau, on le voit, est clairement destiné à valoriser Bonaparte. D'ailleurs, la notice qui l'accompagne lors du salon de 1804 précise: Pour éloigner davantage l'effrayante idée d'une contagion subite et incurable, il fit ouvrir devant lui quelques tumeurs pestilentielles
et en toucha plusieurs. Il donna, par ce magnanime dévouement, le premier exemple d'un genre de courage inconnu jusqu'alors et qui fit depuis des imitateurs. Il y a plus précisément deux éléments qui permettent de comprendre pourquoi le geste du toucher du bubon est magnifié par le peintre. Premièrement, il s'agit pour Bonaparte de répondre aux accusations de la propagande anglaise. Accusations justifiées. Tout d'abord, la prise de Jaffa a été un véritable carnage suivi par l'exécution de 3000 soldats turcs qui s'étaient rendus. Bonaparte se justifie dans ses mémoires en affirmant qu'il n'avait pas les moyens de les prendre en charge. Deuxième accusation de la propagande anglaise, c'est l'euthanasie d'un certain nombre de soldats français blessés, malades, en tout cas intransportables, lors de la retraite de Syrie. Alors combien y en a-t-il eu? 20 à 30 selon les sources françaises, plus de 550 selon certains auteurs anglais. En tout cas, cet acte terrible est justifié par la peur que ces soldats déjà affaiblis soient torturés et mutilés s'ils tombaient entre les mains des Turcs. Le geste de Bonaparte l'inscrit dans une double opposition. Avec, d'un côté, la fatalité de la mort, et de l'autre, avec la pratique médicale de l'incision des bubons purulents qui était alors fréquemment pratiquée. Bonaparte ouvre une troisième voie, celle du toucher. Certains commentateurs de ce tableau rapportent la posture du général avec celle d'une statue d'Apollon, l'Apollon du Belvédère, cédé par le pape en 1797, dont Bonaparte a supervisé l'installation au musée des Arts de Paris en 1801. Or, Apollon était réputé pour ses pouvoirs guérisseurs. Le geste de Bonaparte renvoie clairement à la tradition du toucher thérapeutique, qui est une des caractéristiques des rois de France et des rois Stuarts d'Angleterre également d'ailleurs, qui sont réputés être thaumaturges. En effet, juste après leur sacre et à d'autres occasions au cours de leur règne, les rois de France touchaient les malades des écrouelles en prononçant la formule « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Dans cette association du roi au sujet malade, le souverain était l'instrument de Dieu. Le tableau, il faut le rappeler, est présenté 4 mois après que Napoléon Bonaparte, jusqu'alors premier consul, ait obtenu le titre d'empereur des Français. Eu égard au contexte, la thaumaturgie est une manière de s'inscrire dans la tradition historique du pouvoir, d'affirmer la légitimité de l'autorité avec l'évocation de l'élection divine. Cette peinture fait beaucoup pour la construction de la légende napoléonienne, comme en témoigne sa reproduction simplifiée par l'imagerie d'Épinal dans le premier tiers du XIXe siècle. Il semble cependant que l'on puisse aller plus loin, car ce tableau n'est pas seulement le manifeste d'une restauration de l'autorité. En effet, Bonaparte n'est pas placé au même plan que les rois anciens. Il les dépasse. Il est plus qu'un souverain thaumaturge, il est un souverain christique. La scène sur la gauche rappelle le miracle de la multiplication des pains qui figure dans les évangiles. Sur la droite, il y a un soldat aveugle qui évoque d'abord les ravages de la fièvre ophtalmique qui a touché sévèrement les soldats français. Ici, on le voit appuyé sur une colonne. Il se dirige vers la lumière, vers le miracle qui pourrait le guérir, comme Jésus a rendu la vie à plusieurs aveugles dans les évangiles, dans des épisodes qui étaient alors connus et souvent représentés. La guérison de la cécité étant, au-delà de la capacité à voir, l'aptitude à percevoir la vérité. Bonaparte est plus qu'un thaumaturge, car il défie la mort en se confrontant à ce qu'est l'épidémie par excellence. Comme en témoigne le chirurgien-chef Larrey, la mort était très prompte chez les victimes de la peste. Autrement dit, le général n'est pas face à un simple malade, mais face à un moribond dont la lividité et le bubon sont autant de signes d'une mort imminente, à l'image de son camarade agenouillé et agonisant. Sa quasi-nudité est aussi une manière de suggérer la proximité de la mort, comme on le voit chez Jacques-Louis David, le maître d'Antoine Jean Gros, dans une scène de peste commandée par le Bureau de la Santé de Marseille pour commémorer l'épidémie de 1720. Autrement dit, par ce geste, insensé, inouï du toucher du bubon, Bonaparte fait plus qu'un geste thaumaturge. Il touche la mort, il la regarde dans les yeux et la défie, comme il avait pu le faire sur le pont d'Arcole en 1796, en chargeant les Autrichiens à la tête de ses hommes. Au milieu des corps émaciés et blêmes, émerge la figure stoïque du général, vertueux autant par son courage que par la compassion qu'il a pour ses hommes. Sa ferme prestance contraste avec la répulsion des uns et l'abattement des autres. Mais finalement, pourquoi touche-t-il le bubon? Veut-il soigner? Braver la mort? Montrer qu'il est invulnérable? Dans cette hésitation se joue l'enjeu du tableau et révèle finalement le programme politique du nouveau régime, qui rappelle la monarchie par l'édification de celui qui exerce l'autorité et la république par la capacité à se préoccuper des plus faibles.
Dans cette réunion, la peste disparaît pour laisser place à la célébration de la douleur et de la souffrance des victimes, autant qu'à une ode de la dignité majestueuse et de la toute-puissance du héros.